Mesdames, Messieurs, bienvenue sur McDo Info Plus. C'est toujours un plaisir, comme d'habitude, pour moi capable de servir et moi saluer chaque monde qui déjà prête nous écouter pour être capable d'entendre et garder l'édition journal ça. Suite avec la mort des Américains qui étaient morts dans le pays d'Haïti, dans bon repos, dans le jour qui s'est passé là, côté que Mounsa était responsable d'un orphelinat, et bien bandit est rentré dans l'orphelinat ça, prend yo, touye yo, brûle yo. Un drame ça qui suscite un pile débat dans international là, principalement dans pays les États-Unis d'Amérique. Après témoignage en plusieurs personnalités américaines qui t'a fait connaître, yo t'ai essayé contacter ambassade américaine dans moment drame ça, dans moment action ça, mais ambassade la pas en mesure pour être capable aider moun sa yo et yo bay démocrate responsable l'amo ça. Côté ça qui parle mettre la vie politique et Joe Biden en difficulté parce que nous connaît dans mois novembre qui parle venir là, c'est pas l'élection. Il pral gagner ambassadeur américain dans pays d'Haïti qui c'est Denis Ansik et lui-même sur Radio Métropole matin il t'a répondre question journaliste côté le fait connait drame ça pas prêté impuni il pral fait tout ça qu'on est plus capable traquer bandi yo et bandi yo c'est soit yo mouri ou bien yo al en prison mais quant à pour déposer hein quant à pour laisser ça passer inaperçu il dit jamais et à jamais li pral essayer satisfaire famille. M'pa konnen comment li pral essayer satisfaire. Est-ce que li pral essayer remettre vie ça? Mais sur Radio Métropole, li te montre envie qui gagnait, dévouement qui gagnait pour yo capable traquer bandi yo, mesdames, messieurs. Gagne la police nationale qui fait un très bel coup de filet jodi an la. Côté gagnait bandi vivre ensemble qui te prend un camion. Eh bien, nèg yo qui débarqué dans base vivre ensemble, mesdames, messieurs, yo prend camion ça encore. Et vivre ensemble qui prend un gros coup et ça montre réellement les nèg yo décidé les yo vle et yo jwenn l'ordre yo capable faire gen Fritz Belizer qui c'est youn nan choisi pour poste en premier ministre dans pays d'Haïti jodi an la li fait tout moun saisi côté le débarqué devant et devant villa d'accueil ensemble avec groupe manifestant li yon façon pour capable insister conseil là fait choix de lui-même comme premier ministre pays d'Haïti. Heureusement Jean frappé très fort jodi an la. Côté le fait qu'on est, gen une série nèg qui nan conseil ça, nèg sa yo c'est vicieux, nèg sa yo c'est volé. SPNH bon côté parle qui frappé, qui mandé arrestation France LB pressé pressé. Mais mesdames messieurs, c'est point ça avec plusieurs autres qui parle fait essentiel actualité non pour jodi a. Ça nous pas perdu temps en bas la ville pour n'al regarder comment et jodi hein, la police prend yon camion et nan zone et dans zone Saint-Vincent côté que la police récupérer camion ça que bandi yo te prend yo te rentré dans base yo ensemble avec lui et faut moi dire nous tout gagne dans Pernier la police mené yon gros opération tout côté nous t'a gardé yon machine ISO te prend li peinturer li avec UVD moi quoi c'est comme ça unité village de Dieu mais la police récupérer yon machine nan main ISO aussi jodi an la bandi yo qui pas fait un très bon recette et bien la police qui décide mettre pied la terre et bagayou changer. On regarde comment ça y est dans rue Saint-Vincent, mesdames messieurs, dans quelle capitale paysan côté bandi vivre ensemble, te prend un camion marchandise et la police rentre yo défier vivre ensemble. On nous regarde ensemble. Voilà, c'est là, on a constaté la police qui déjà campé, blindé ça qui campé. Il a prouvé comment on va aller avec notre télé. Il est déjà rentré dans la ville. Thank you.
Et voilà, on a regardé. On a constaté ensemble avec un autre. On a constaté ensemble. Et très les sacs en bas. La police a récupéré. Il faut que nous disions. Et pour nous décaler, et venir prendre l'image là. Pour nous voter vous. On va excuser nous parce que vous êtes capable de remarquer, souffle nous. Et il est vraiment haut. Et c'est comme ça. Et la police lui-même souhaite récupérer le camion c'est là. Et nous sommes capables de dire que petit monsieur et Beléo était content de récupérer. Et grâce avec la vigilance de la police, nous sommes capables de constater qu'il y a n'importe 3 blindés qui étaient présents dans le parage de Bopalé National pour être capable de récupérer les blindés et très laisser ça. Et Badi a été mis du feu dans la tête de Tréléa. Nous ne savons pas pourquoi elle est là, comment l'état et santé du chauffeur lui-même est lié dans le moment où on a parlé là, mais nous avons remarqué la tête blindée lui-même, lui passer en bas flamme du feu. Nous avons regardé tout le dépôt côté où on mettait marchandises lui-même, lui s'en est sauf. Et j'ai que nous avons constaté là, c'est comme ça, et amis internautes, et la police lui-même est arrivée et récupérer et trailer, marchandises, nous sommes capables de dire, et marchandises là, et que et M. Beléo lui-même et guettant et prend pour en possession. Tout de suite, nous sortons dans l'opération en bas la villa, en nous descendant devant la villa d'accueil. Côté Fritz Belizer, qui c'est une parmi et moun qui choisit, moun qui t'a posé candidature pour ta vie premier ministre dans le pays d'Haïti, dans le conseil présidentiel ça. Jodi a nous te constaté, li te descend devant villa avec troupe li, côté que l'ta manifesté, febri, etc. Monsieur, nous pas qu'à comprendre le comportement nous. Est-ce que nous toujours croyons dans des ordres? Parce que jodi a un citoyen qui choisit pour venir retirer le pays d'Haïti dans des ordres, nous n'avons pas capable besoin de prendre pouvoir avec des ordres. Ou déjà, en dedans, déjà, il y a un critère qui dit, mais comment pour venir premier ministre? Bien que nous connaissons ces bagailles vol cap réglé. Mais je dis, après, un groupe nèg vient masser devant villa, et puis vient battre bravo, vient faire des ordres. Monsieur, qui l'on a changé comportement nous pour nous dire, ok, moi c'est nèg propre. Par exemple, il y a un nèg tant que Gérard Gilles, je ne sais pas si je connais si un vagabond. Nous te connaissons un docteur, c'est un nèg savé qui décide d'aider pays. En plus, il était sénateur dans le pays, te gen pile respect pour lui. Mais l'embral gade, c'est Gérard Gilles qui descend devant Jovenel Moïse, al tire roche, ap courir dans toute ravine, t'as dit ah bon? Son vagabond. Son vagabond. Et bien, jodi an là, c'est même citoyen ça nous qui dans conseil présidentiel là. Monsieur, c'est pas possible. On nous garde comment ça te yé devant Villa d'accueil avec Fritz Belizer qui c'est un citoyen pour Moïse Jean-Charles. A noter dans l'émission matin, nek qui tap tande mi, m'te dit ça matin, dans l'émission matin, m'te dit pas étonné nous, Moïse Jean-Charles mette nek dans la rue, al fait manifestation pour lui. Eh bien, jodi a, même moun Moïse Jean-Charles choisi a, c'est même lui même qui descend à terre qu'al fait bêtise sa yo. N'a pas comprendre? Mouè loin parfois, monsieur. Fritz Belizer, c'est Green 4, c'est Zel 4, Moïse Jean-Charles. Eh bien, on garde des bêtises. Devant Villa d'accueil, matin, on peut capable de mettre pression. On garde ensemble. Tirar a tosse da frente. Tirar a tosse da frente.
ce journal là, excusez-moi, ce journal là, car nous avons remarqué que gens militants. Oui, je dis à l'écoute, opposition de là présent, ensemble avec le ministre, nous voyons un signal, Bailey pour Dieu, que nous dit le monde que nous-mêmes nous choisissons, ingénieur pour Bélisé comme ministre pays. Et nous baillons conseil là, dès les journées, à soir, à minuit, nous battons les Bélisé, conseil à grâce. Nous avons présence régionale là. Ça veut dire, leader ou bien soi-disant premier ministre nous vient supporter, ou déjà ouais, son choix populaire. Qui veut dire son choix, moun kap goumé, son choix que la population a adhéré avec. Parce que nous-mêmes, comme moun kap goumé, comme moun kap prône changement, tout le temps dans le pays, qui fait tout le temps sa kap goumé, qui pas jamais essayé d'entrer dans le pouvoir. Qui pas jamais essayé de prendre chèque, de faire une série de bagailles ou une série de côté, qui défendre sa peuple comme revendication, présence nous voulait dire, yon bagaille. Présence nous voulait dire, nous voulons changement total capital pour le pays. Présence nous voulait dire, nous voulons ouais, chaque haïtien, et je dis à gagner liberté. Yo. Et chaque haïtien capable de marcher libre-libre à travers tout le pays. C'est ça, je dis à souhait. Nouvelle classe politique là. Ça veut dire mouvement 29 mars. Challenger populaire, CRIPEP, force canapé vers réveil. Ça veut dire, moun kap goumé, moun kap bataille, moun kap défend la population, yo fait choix de Fritz Belizère. Et choix Fritz Belizère là, nous pas fait pour partisanerie. Nous fait, c'est en fonction de. C'est en fonction de prise de parole nous gagnons. C'est en fonction de capacité nous qui gagnons. C'est en fonction de conscience li. Volonté de gagner avec sens de national, sens nationaliste, nous dit son monde que au moins nous allons essayer de faire crédit avec revendication peuple. Parce que je dis, ça gagne là comme problème, non, on ne peut pas résoudre. Ça gagne comme problème, non, et on groupe ne peut pas résoudre. Mais c'est tout haïtien. Quel que soit le monde dans la diaspora, quel que soit le Haïti, mais là, il connaît, il est responsable. Il faut avancer, bah, là, c'est comme ça. Mais puis, c'est haïtien tout le monde. Et je dis à un seul grand bagaille, m'a dit, peuple, dans la deuxième circonscription, mandez une excuse publique, c'est un groupe WhatsApp, je vais discussion à faire. Je ne sais pas si c'est Pierre, je ne sais pas si c'est Jacques. Je dis à ce travail ministre, pour le monde qui a fait un cas, je bonjour à l'école, bonjour à l'université, bonjour à la route. Je vais un ravine dans le ballon, je vais pour me faire. Je vais un ravine qui est bon commissariat, bon l'église. Sainte Maria, mes bonjour à rien pour me faire. Et je dis à nous une plateforme qui c'est 109, Force des Boss, Organisation Force Canapé Vert Réveillé, pour nous faire une plateforme pour supporter ingénieur Fritz Belizère. Et je dis à la que nous gagnons une chef opposition, dirigeant 29 mars qui c'est José Pripe, tout le monde connaît, qui parle parler. Problème de Jean. Gagnons Osmond Jean, pas beaucoup de parle, qui casse et mette dans le conseil présidentiel ça. Selon ça, il t'a fait connaître nèg ki nan conseil présidentiel là, c'est une équipe nèg ki gagne mandat de yo. C'est une équipe nèg ki nan trafic organe, c'est une équipe nèg ki sans pitié pour pays d'Haïti et nèg yo a vini avec maladie Ebola en Haïti, nèg yo c'est un coup bien préparé. Heureusement j'ai tellement parlé causé matin là madame monsieur, moi invité nous tandel avec en pile attention et c'est très important ça pral parler là yo. Entendez l'ensemble. Cap vivre dans la diaspora, cap gagner pour assister à la conférence à travers les réseaux sociaux et Facebook. Objectif conférence matin, c'est pour nous dire une autre fois encore. Nous-mêmes, au niveau FONOD, nous sommes positionnés et nous continuons à fixer position sur véritable complot.
classe politique là, société civile, les soi-disant intellectuels qui ont dans le pays, les pseudo-intellectuels qui ont dans le pays, les prostituées politiques, les prostituées économiques, qui organisaient de toute forme, de toute manœuvre, pour permettre, je dis, fait tout ça au capable pour permettre yo cellule dans gang Kenya venir renforcer gang nous en Haïti. Faut nous clair pour l'autre, pour l'opinion publique nationale ou internationale qu'on est. Bon campagne qui fait là. Bon stratégie, gouvernement reste avec Ariel Henry, qui a tchoul, qui a saleté, qui a microbe, que personne la voit pas pour rejoindre non, qui a tino jouet, brave, qui a liquidé, soi-disant, qui a fin liquidé pays, qui a liquidé reste l'argent pays, qui entend avec 9 volets, 9 procédures politiques, 9 apatrides, 9 conseils. Dans 9 conseils, il y a 4 qui ont poursuite pénale contre eux. Malgré documents, malgré preuves pertinentes, palpables, incontestables, malgré sa société, que c'est l'Église catholique, que c'est l'Église protestante, que c'est le secteur ou non. Pas de personne qui dit non. Il y a poursuivre pour vol, pour détournement des fonds publics qui sont leurs crimes. Ils ont crime au Dieu. Parce que si pas de vol dans l'État, si pas de détournement des fonds publics dans l'État, si pas de malfaite dans l'État, côté nous y est aujourd'hui, c'est pas là nous vivons. L'autre pays qui est dirigeant, toute décision qu'on prend, qu'on prend pour le futur. Mais ça paye, qu'on va le venir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. La preuve, on a regardé côté la Chine, à côté lié aujourd'hui. C'est par rapport à l'investissement que tu as fait, tu dis dans 20 ans, dans 30 ans, dans mes pays. Je dis à des malpropres, excusez l'expression, la presse, qui t'ont occupé l'État, qui t'ont occupé des grandes fonctions dans l'État, qui ne peuvent pas faire l'autre bagaille dans l'État, voler, piller, à mes gangs, à mes timoun 10, 12 ans, 13 ans. 20 ans plus tard, c'est eux qui nous remettent le pays. Et le fait que nous remettons le pays, yo faut façon, yo porter le pays à bay étranger. Et qui étranger encore? Kenyan, Américain prend nous, li mette destin nous sous responsabilité Kenyan. Alors que, même Américain ça, le 7 juillet 2023, le Canada, les États-Unis, fait sortir une note conjointement, solidairement, pour demander ressortissants pour parler au Kenya. Qui s'est évoqué comme motif? Parce que le Kenya, dans le pays Kenya, police Kenya, militaire Kenya, yo pratique yo activité yo fait plus bien, c'est enlèvement, kidnapping, vol armé, séquestration, trafic d'organes et l'autre maladie évoquée, il évoquait choléra avec Ebola pour ressortir ça yo par le Kenya. 7 juillet 2023. Jodi malgré maladie ça a fait rage. Nous la presse pas invoqué ça yo. La presse pas mandé moun kap fini yo. Côté résultat test médical, examen médical yo fait pour yo pour assurer yo que moun sa yo pas subi
pas de maladie Ebola, pas de maladie choléra, j'en ai dit. Qui examen, qui vêtine qui fait sous yo, que policier sa yo kapinyan pas impliqué dans le trafic d'organes dans le pays. Qui examen, qui vêtine yo fait pour yo, que policier kenyan sa yo pas impliqué yo même dans le vol, dans le kidnapping, dans l'assassinat au Kenya. Parce que, Amérique servi avec Kenya déjà, dans un pays où il est au Congo, bilan yo catastrophique, yo fait alliance avec propre gang que yo te voye chercher yo, que yo t'al goumè au Congo. Yo fait alliance, yo bay bandi yo zam, yo bay bandi yo bal, yo bay bandi yo munitions, yo renforce yo. Yo chita, yo fume doigt, yo volé ensemble. Peuple congolais a mette yo dehors, pousse yo à coup de bal, mette yo dehors. Et puis jodi a nous même qui pas même gese tu, qui pas un bon hôpital, qui pas bon gom, qui pas un bon clinique. Nous même jodi a nous gros état major la police. 99 nan yo nan gang. Kounya nous pral voye chercher professionnel pour venir renforcer et puis n'a pas tant de résultat. M'a dit nous bagay pays a. La presse parle, presse écrit, presse télévisée, média en ligne là. Gros paquet ancien gang. Chef de gang à costume, qui joue une opportunité dans toute la radio, ou même qui a marché parler, pour faire quoi? Les gens qui comptent l'intervention Kenya, les gens qui comptent l'intervention américaine, là, soi-disant, Captain Goumé contre gang, nous avons supporté gang, nous faisons alliance à gang. Je dis nous bien. Excusez encore, malpropre ça, vous ne pouvez pas faire nos pères, vous ne pouvez pas intimider. Et nous dit pays, ou bien pour devoir, ou bien pour obligation, et son obligation même. Nous pour solidarité internationale. Nous pour la coopération internationale. Tant que je s'en fais, on va regarder, et quoi t'es, t'es prêt en militaire, nous voyons former, on va formation, vous comprenez? Et en plus, permettre de venir pour vite. Si l'État ici, société civile pays. La presse parle, presse écrite, les grands médias, les dinosaures de la place. Yo te fou campagne. Puis yo te dit, on nous essaye la menoua. On nous mette chaque secteur privé qui gen port douane qui a volé dans tout pays. Yo te dit, bon, yo mette 10 millions, on mette 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 3 millions de dollars pour nous renforcer la menoua. On nous monte un tax force avec l'armée, corps spécialisé police nous, pour taquer les gangs armés. Nous partageons le résultat. Laisse ça, ça t'a demandé nous pour aller derrière l'autre bras. Parce que nous essayons de sanguiner, hein? Nous mangeons l'armée, nous travaillons avec l'armée, nous sommes l'armée pas capable, tout le monde nous déployons l'armée sur route 9 là. Nous déployons l'armée sur route Matissan, nous déployons l'armée à Canaran, nous déployons l'armée avec corps spécialisé de police, Mariani Gressier. Nous tous constatons, messieurs, dames, pas de résultat. On nous a devoir pour nous rétablir l'ordre. Mais ça m'a demandé nous aujourd'hui pour nous regarder au niveau pays ami, qui pays qui permet de forcer, de renforcer, de préparer, de permettre une formation continue pour l'armée, pour la police, pour nous avoir des corps spéciaux qui prennent des formations en spécialisation en guérilla urbaine pour nous faire face. Les, tout ça, nous avons fait, nous avons rendu compte effectivement nous de bonne foi. Imaginons, nous avons près de 400 militaires à Sélamia qui font tout ça capable bon contre l'État pour y aller mettre l'ordre. Puis rétablir l'ordre dans le pays. Et non, Joseph, en tant que ministre de la Défense, il y a une instruction formelle pour faire 400 militaires, ça ne va pas jamais plus dans le quartier général. Et puis je dis à nous tous, nous avons fait promotion. Oui, il faut que nous cassions les gangs, mais seul moyen, nous n'avons pas d'autres moyens pour nous résoudre le problème de gang. Pas d'espoir, nous tous finis, si Kenya, si Amérique n'est pas venu, eh bien, nous foutons. Eh bien, je dis nous pour nous finir. Amérique n'est pas venu pour résoudre. Deux, trois gangs militaires américains sont là. Ils viennent mettre base en Haïti parce qu'ils mettent au dehors au Niger. Ils mettent au dehors et du côté Mali. Ils mettent au dehors dans différents côtés en Afrique. Ils disent que c'est l'Haïti qui n'a pas l'État, qui n'a pas le monde. D'ailleurs, Haïti n'a pas le leader politicien. Les gens qui ont des capteurs, ils sont leaders, ce n'est pas vrai. Même si ils ont des copes dans la mer, mais c'est dans la tête qu'ils ont un goût.
Tout de suite, nous quittons Rosemont Jean, nous allons attendre SPNH 17, yo même pas bon côté pa yo, qui m'a dit arrêter France LB par rapport avec Zak insécurité au Cap Monté, bandit Cap prend commissariat et gagne étranger Cap mouri, et population tout pas suspendre quitter zone yo, nous pas suspendre gagne territoire perdu, c'est nous capable garder ça passé dans Grèce là. Gagne SPNH 17 qui c'est une structure qui andé dans la police là. Yo même qui sur nos têtes yo défenseur droit moun et puis défenseur policier aussi, eh bien yo mandé révocation France LB rapide. En nous tendez ensemble n'a pas tourné 2024 conférence pour la presse SPNH 17 syndicat la police là. Nous saluer la presse haïtienne pour sacrifice li, pour présence li, parce que nous même dans SPNH 17 nous pas exister si la presse pas de camper bon côté nous dans commencement bataille là. Nous saluer toute population haïtienne, nous connaît qui a souffri, qui dans situation difficile à cause insécurité. Nous saluer toute policier quel que soit grade li, sorti dans directeur général qui là, arrivé dans dernier agent. Nous saluer membre syndicat la police SPNH 17, mais nous saluer tout membre Sinapoa, qui c'est un autre syndicat dans la police là, qui est en tête li Lionel Lazare, qui avec lui nous toujours parler, discuter sur plusieurs sujets. Conférence matin, nous faisons nos objectifs pour nous, par position SPNH sur plusieurs points, sur plusieurs dossiers, surtout pour nous dire, mais qui s'agit de fait, si vraiment il y a une volonté pour nous mettre établi sécurité dans le pays d'Haïti. Premier point, nous avons regardé, ça nous relait, vertine. C'est position en pile dans nous. Dans la société haïtienne, qui a dit qu'il faut que la police soit épurée, faut qu'on passe les mains qui fait dans la police. Mais nous songeons qu'on passe passé mains qui fait déjà. Il y a plusieurs passés mains qui fait dans la police. Ce n'est pas passer les mains que nous besoin. Nous avons besoin de bon passer les mains. Nous besoin de commission d'experts pour faire vertine dans la police. Il y a une vertine qui a réalisé sous tout policier, quel que soit le grade. Entre temps, nous avons dit commandement. Qui n'a tête li monsieur LB j'étais la honte sous la police là pour ensemble de raisons nous tout nous connaissons SPNH mandé révocation pure et simple de comment de la police là accompagné de plusieurs directeurs départementaux qui participaient dans jeter la honte sous la police là vertine salle de réaliser non transparence côté la police là tout monde tout policier qui te participé, soit dans la violation de la monde, ou bien dans l'alliance avec gang, qui établit sécurité, qui commet, qui cause en pile souffrance dans la société haïtienne, yo doit révoquer et conduire devant la justice. C'est position SPNH 17. Gen rimak kouri, 2000 policiers pour le Kenya. Le nous tente de cause ça, en pile journaliste, après le nous te dit, nous pas arrêter en silence, faut nous regarder qui ça y est. Mais là, nous connaissons que nous avons ensemble d'autorités ou bien de commandements qui prennent une bonne décision déjà, qui jettent la honte sur la police, ça nous dit que nous ne sommes pas capables de pas regarder qui ça gagne dans ça. Dans toute recherche que nous avons fait, dans le gros chef dans la police, nous parlons, il y a quelqu'un qui dit nous, il n'est pas au courant, il y a quelqu'un qui dit nous attendons ça tout, mais il y a quelqu'un qui dit nous tout, il n'est pas confirmé. Ça veut dire, dans ça, nous n'avons pas de une confirmation. Mais, n'a pas dit nous, question force qui t'a devenu, nous même dans l'SPNH, nous t'es clair. Cause force qui a venu, nous avons une bonne force qui vient déjà pour apporter un rien. Si une force l'a venu, il n'est pas venu pour renforcer la police, la renforcer l'embryon, la MEA, pour permettre à Haïti de sécurité, force n'a pas besoin de venir, il n'a pas aucune place, il n'a pas aucun résultat à apporter. Force qui a venu là, nous entendons ce que Kenya a dans la tête. Journalistes, sociétés, citoyens, engagés, responsables, nous connaissons sa police kenyane représentée. Eh bien, SPNH dit nous, la police kenyane, c'est une police qui pique corrompue en Afrique. Si, dans les conditions liées aujourd'hui, côté nous, il y a un bon monde qui participe comme autorité, qui participe dans renforcer gang,
qui participaient dans tabli insécurité, si c'est eux qui recevoir force là. Si eux qui recevoir police qui pique corrompu en Afrique là qui vient là. Eh bien, ça qu'arrivé, nous ouais demain si Dieu veut, moun sa yo fait alliance et sécurité pire. Pour éviter ça, espérance dit mais qui ça de fait. Si une force qui doit venir pour venir renforcer l'institution, il faut que nous-mêmes, autorités, nous-mêmes, propres peuples haïtiens, nous devons, même gens, nous-mêmes dans l'SPNH, nous disons, planifier qui ça? On plan sur trois niveaux. Pas de aucun moyen pour gagner sécurité dans le pays lorsque pas de plan. Trop longtemps dans la police, trop longtemps en Haïti, nous avons improvisé, nous avons fait sécurité sans plan. Il y a un plan de sécurité, il doit prendre compte la population, il doit prendre compte ça nous relève, c'est construction. Ça relève, plan d'aménagement de territoire, il doit connaître. Ça veut dire que l'arrivée aujourd'hui, où on a une autorité qui a improvisé, nous pas capable d'attendre de rien qui sérieux. Plan 3 niveaux, SPNH, japonais, mais qui vient nous présenter. Nous avons besoin, ça nous relève, sécurité aérienne. Faut que nous ayons hélicoptère, faut que nous ayons drone, tout ensemble technologie qui capable de permettre de nous contrôler l'espace aérien. Nous avons besoin pour sécurité maritime, tout le monde connaît pendant les dernières années qui s'est fait sur la mer. Nous parlons en pile fois de gangs qui utilisent la mer, mais nous avons besoin de tout qui utilise la mer avec bateau privé, chaloupe privé pour faire business payo derrière de l'État. L'important pour nous connaître que dans tout pays, ça nous est le droit de la mer dit que chaque pays doit gagner contrôle de la mer jusqu'à 2000 marins. L'important pour que nous prenions contrôle de la mer, mais faut nous bailler force ça, non seulement pour gagner quantité de monde, mais faut que nous gagnions matériel pour gagner contrôle de la mer 24 sur 24. Troisième niveau, c'est le plan de sécurité terrestre. Qui gagne une partie là-dedans très important, qui c'est frontière avec côte. Pas un pays qui a une sécurité s'il pas un contrôle frontière, il pas un contrôle côte, contrôle douane. Sans parler de port et aéroport. Eh bien, dans la sécurité terrestre là, nous gagnons une police, une force de police, un groupe qui là pour contrôler de manière permanente frontière nous yo, côte nous yo. En plus de ça, nous avons gardé, jeudi, à nous présenter la conférence avec uniforme ça. Nous connaissons la circulation, le DCPA. Là encore, nous avons été menti trop longtemps. Parce que la police routière en Haïti n'est pas jamais effective. La police routière qui s'allie, c'est lui-même qui prend le contrôle de la route. Ou qui arrive dans le pays, ou pas jamais rencontré avec SWAT, ou pas jamais rencontré avec les policiers qui sont là pour faire intervention, opération. Mais il faut ouais. Ça a eu la police routière. Contrôle routière, il doit faire 24 sur 24. Je dis, il y a une nécessité pour renforcer la police routière, pour nous gagner une police qui est dans la rue 24 sur 24. Les journalistes, les familles qui ont des problèmes dans la nuit, quel que soit l'air, ils sont dans la rue, si ils doivent joindre une police qui est là pour eux, contrôle routière, il doit faire de manière permanente. Pas de aucun pays qui a une sécurité, l'air pas de contrôle routière. L'elle pas un contrôle véhicule, l'elle pas un contrôle identité. Et trois, ça yo, police routière li fè yo dans quatre travail li. Voilà pourquoi jodi a demandé autorité qui la yo, soit conseil présidentiel transition, gouvernement pral vini pour yo chita avec SPNH et avec tout l'autre monde qui capable pote en plus dans question plan de sécurité sous trois niveaux. C'est dans moment ça même n'a prend route pour que nous sortions dans l'insécurité. Si nous acceptons une force venue, tant que la police kenyane, elle vient jouer une structure d'insécurité avec tout corrompu. Eh bien, si vous arrivez à faire alliance avec gang, avec gang, met gang, nous ne parlons pas de gang nous-mêmes dans l'SPNH, nous ne voulons parler de gang à sapat, gang à veste, mais nous parlons de gang à uniforme. Tout. Nous devons commencer à chirer uniforme sous gang. Ça yo qui infiltré force de sécurité nous yo. Ça yo qui dans l'état qui a établi cette insécurité. C'est dans moment ça même SPNH prend responsabilité pour le dire
Mais qui ça pour nous faire pour nous arriver à établir sécurité en Haïti? Pas de sécurité sans plan, pas de sécurité sans communication, dans plan pas nous, nous définissons un système de communication avec l'enseignement. C'est là que nous avons commencé à parler de sécurité en Haïti. Quelle que soit force qui vient, sans plan. Quelle que soit force qui vient, sans cadre de travail entre la police, l'armée qui souterrain, pas de rien sérieux qui a poté. Quelle que soit force qui vient, dans même condition nous y est là, c'est même Mounzaïo qui pendant plusieurs années j'étais là honte sous pays là, j'étais là honte sous la police là. C'est même yo même qui recevoir force ça, li pa ba résultat. Parce que PNH mandé révocation DG qui là. Nous même nous dit DG qui là avec équipe li parce que gon bonne moun dans équipe li a qui gon bonne dossier. Comme par inspection générale ça fait quelque temps, gon bonne dossier qui pas qui va en structure. Là nous considérer 12 octobre 2022 c'est et commissariat sous commissariat qui était en bas du mot côté bandit prend et juge jodi a nous blindé qui pas nommer la police nous songe ça et blindé et matériel ça yo yo toujours dans mes individuels là nous songe quantité commissariat qui crasé plus que 25 commissariat sous commissariat antenne là nous songe policier Métivier Pétionville qui mourit faute de un commissaire qui pas voulait porter secours, il était 5 armes dans la machine à munitions, il pas voulait bailler, policier pas jeune renfort, il mourit. Là nous sommes des policiers qui mourit dans la boule. Personne ne peut pas une explication, nous pas qu'à dire l'inspection générale bail, on rapport sur ça ne pas gagner, nous même dans le syndicat nous pas gagner. Là nous sommes des policiers dans ça vient qui mourit. Non seulement nous avons commissariat, non seulement nous avons policiers qui mourit, c'est chien manger yo. Pour chien manger policier yo. Et dans le cas ça vient, le commissaire Mitil, qui est directeur départemental, l'a dit et l'a répété dans le rapport. C'est un complot qui fait dans le plus haut niveau dans la police. Là. Elle dit dans le complot, il y a un inspecteur général là-dedans. Juste une fois, l'inspecteur général n'a pas eu un rapport sur lui. Là, nous songer, prison crasée. Dans le bon repos, ça a passé. Les policiers, pendant 2 heures de temps, ils ont demandé un renfort. Ils n'ont pas eu un renfort policier dans le bon repos. À quelques mètres de direction générale là. À quelques mètres de base, bim, base Simo, base SWAT, DCPJ, policiers ont mouru, commissariat a boulé, matériel a nommé, bandit, et pour toute raison ça, yo, a campil l'autre encore. Il y a un là-dedans qui fait nous mal en pile. C'est lorsque nous voyons, il y a qui dit c'est bandit, qui ont un groupe d'individus armés ensemble avec elle, toute la journée, à parler de directeur général. Yo. Ça fait nous-mêmes dans l'institution, nous pas fiers. Pour toute raison, ça, pour bilan catastrophique, ça, nous dit, et nous dit, nous écrit, nous demandons révocation du directeur général de la police, à plusieurs acolytes qui participaient à jeter la honte sous l'institution policière, là, et qui fait Haïti souffrir en pile. Nous avons une quantité de femmes qui violent, nous avons une quantité de monde qui mourit, et sans parler de territoire perdu. Et hier encore, l'image est venue côté d'un agressier avec une opération mal planifiée. Tête en bas, ça veut dire que c'est l'échec total. Oui, SPNH demande révocation. Et révocation pas suffit pour que la justice pose des questions à tout le monde, leur responsabilité ou pas assumée. Ça, c'est position SPNH syndicale. La presse. La presse dans le pays d'Haïti, nous devons songer, nous devons toujours rappeler, c'est lui-même qui te permet, lorsque nous avons fait gros bataille, côté la presse te accompagne nous. Et sans la presse, je veux dire, pas de syndicat. Pas de syndicat, après SPNA 17, un deuxième syndicat, c'est Sinaboa. Nous saluons tout le monde syndicat de la police, là, SPNA 17. Nous saluons tout le monde Sinaboa, spécialement Lazare. Lionel Lazare, c'est un homme qui a mené Sinaboa, qui toujours nous toujours parlé et nous décidé de discuter sur un bon sujet qui est important pour la police. Lazare Kotoye, je salue tout le monde qui est dans la police nationale, quel que soit grade, quel que soit rang. Soit directeur général, arrivé, pipiti agent, parce que tout ça nous parle d'aujourd'hui, c'est pour eux, le concerné. Et nous saluons les populations haïtiennes qui ont souffert. Et je dis à SPNH, qui ça veut faire
si nous voulons vraiment nous suspendre souffrir dans les affaires d'insécurité en Haïti. Moi salue tout membre syndicat qui est présent, même si nous pas ouais tout là, mais il y a un périmètre là, parce que nous connaissons ça lié déjà. La bataille est difficile, mais nous ne pouvons pas abandonner, parce que dans un moment difficile, il faut qu'on ait des gens qui pour qu'on ait. Je dis à SPNH, lui-même, il est dans une situation vraiment, membre lui, dans une situation vraiment difficile, tant que tout policier. Mais nous décidons qu'on ait, nous décidons qu'on ait. Dans le cadre de la conférence, nous avons parlé de nos premiers points de vetting avec révocation qui doit être faite en de la police. Nous connaissons qui ça l'insécurité fait nous. Nous connaissons qui ça la police a trouvé. Nous connaissons comment nous souffrons nous-mêmes. En pile journaliste mourir. En pile nous l'âme qu'on est quitté claquaille nous. En pile policier. En pile monde qui était pays dans la tourmente. Mais si nous pas de force de sécurité la police qui était affaiblie, qui était politisée. Yo était entré la donne, une série de graines qui pas pour nous. Qui mène nous côté nous là, nous pas là je dis. Nous faisons confiance à notre tenue ça. C'est pour nous dire que je veux dire à tous les policiers, tous les haïtiens, surtout les policiers avec les militaires, ils doivent tenir combat. Pas combat contre tête, pas combat seulement contre les individus qui sont armés, qui sont dans le ghetto. Mais surtout, gang avec veste, gang avec uniforme. Nous devons commencer à retirer les uniformes qui sont sous gang, les gens qui infiltrent nous. C'est ça nous-mêmes dans l'SPNH, nous avons dit. Vertin n'a pas de pour faire dans la police la fois ça. C'est pas Vertin ou le Mdebo qui compte fait déjà. Côté yo vini, c'est même Mounio qui vini. Yo retire de trois graines peut-être quelques agents. Et puis, quelques moun qui va dans base yo. Et puis, tout gros activistes politiques, moun qui n'ont alliance avec gang, yo rete en dans l'institution. Fois ça, nous demandons aux commissions d'experts, communauté internationale là. Et il y a un CPT qui c'est conseil présidentiel et transition qui vient là. Gouvernement Calvin là, il doit prendre toutes mesures à pressé pour épurer la police. Retirer grain qui pas bon, on a commencé par révocation et monsieur LB qui jetait la honte sur la police avec l'équipe lui. Bon directeur général et alors directeur départemental qui participait dans craser la police là, dans jeter la honte sur la police là. Côté policier mouri, chien manger yo. En pile fois, c'est eux-mêmes irresponsabilité, yo pas protéger quoi policier en danger et en pile fois tout, gien ça nous relé connivence avec gang yo. La justice doit prendre responsabilité pour que yo capable river jeune tout monde ça yo qui participait dans trahison qui participait dans trahir la police là pour yo que yo arrêter yo pour complicité avec gang pour manque à responsabilité yo pour parce que yo pas porter assistance à policiers ou bien population qui en danger. Deuxième point n'a pour regarder gien un rumeur qui courir depuis avant hier soir rivé hier tout les médias après nous pour dire nous attendons 2000 policiers pour aller Kenya. Position SPNH sous question force n'a pas changé. Nous avons toujours dit si nous voulons Haïti gagner sécurité tout bon, nous besoin renforcer force de sécurité nous qui c'est la police avec un brio la mer qui là qui gagne environ 2000 jeunes garçons qui prêts pour participer dans la bataille là. Si ça pas fait, c'est parce que pour gagner volonté vraiment pour Haïti gagne force de sécurité parle pour que Haïti vraiment prenne route sécurité. Cause 2000 policiers ça, l'Elvini, nous t'es obligé nous-mêmes non seulement à chercher bousquer confirmer pour nous garder qui ça y est, mais nous t'es toujours couru près de vous parce que nous connaît équipe qui là, yo capable de prendre n'importe décision pour la gagner dans Katumbumbe net. Comme étant donné un SPNH qui sont syndicats responsables qui dans la rue là cap goumé cap bataille qui toujours en contact avec tout policier qui a boumé. Et nous avons profité dans ce moment ça pour nous saluer Boy, opération Boy, pour nous saluer commissaire Port-au-Prince qui est commissaire du monde, BIO, que nous toujours en contact ensemble avec eux, nous toujours rester pour nous dire Kembe, parce que Tires là, c'est eux-mêmes qui vous permettent que Haïti pas tomber. Effectivement, c'est Tires policier ça, policier vaillant ça, que nous toujours apprenons hommage qui fait Haïti là. Et bien 2000 policiers, nous te voyons que si une décision comme ça t'apprend, c'est à Katumbumbe net aller. C'est à une façon pour livrer totalement le pays, surtout capitale là, avec bandit. Et bien là, nous te bousquons, nous parlons avec plusieurs gros chefs qui sont au commandement,
qui te dit nous, yo pas au courant ou bien rien qui dit nous et il c'est pas qu'on confirmer et nous sentis qu'on bagarre qui pas clair. Mais nous même dans SPNH nous te dit lui décision ça nous te content et clair sur lui. Nous t'a dénoncé si c'était confirmé. Si c'était une décision de prendre, nous avons campé en face lui et nous avons dit que ça c'est le dernier coup de loi pour que nous tous nous prenions responsabilité de nous empêcher Katou Mumbe à fait. Eh bien, jusqu'à présent, pas une confirmation que c'est une décision, mais nous avons fait tout le bruit ça l'a fait et nous avons dit si une force de sécurité qui vient pour le pays qui t'a devenu, s'il n'a pas venu dans l'objectif pour renforcer, force qu'il a sous place là, qui c'est la police avec l'armée, il n'y a pas de venir rien. Et, grand danger, nous ne pouvons pas quitter arriver. Si force la police Kenya, m'a rappelé la presse haïtienne, m'a rappelé la communauté internationale qu'on aime déjà, mais vous voulez nous, m'a rappelé tout le monde. Surtout les policiers haïtiens, ça y est qui est net, conscient, ça y est qui a goûté souterrain. La police Kenya, c'est une police qui est plus corrompue en Afrique. Si par un cadre, qui définit. Pour force ça venir, la police kenyane qui c'est la police qui est corrompue sur la terre ou bien en Afrique, s'il vient là, dans condition ça, lui c'est qui se côté c'est mettre gang yo capre chevoyo, côté c'est moun qui participer dans craser pays là, dans craser sécurité pays là qui affaiblit la police là, qui recevoir policier ça yo arrive au moment, yo fait entendre avec force insécurité là qui déjà souterrain parce que pas oublier, nous disons, nous avons parlé de sécurité nous-mêmes dans SPNH, nous parlons seulement de monsieur Améo qui est dans le ghetto, nous avons tout ensemble, association ça, qui a une gang à veste, gang à uniforme là-dedans. Eh bien, nous disons, pour Haïti prendre route sécurité, nous avons un mec qui ça nous-mêmes dans SPNH, nous disons, qui nous fait. Il y a un plan de sécurité sur trois niveaux. Haïti a sorti dans l'insécurité. N'a pas connu que l'autorité, qui est le conseil présidentiel, le gouvernement, qui est venu là, ou bien la communauté nationale, a pris une volonté pour aider nous à mettre la sécurité en Haïti. Là, nous, il y a un plan de sécurité sur trois niveaux. Après nous finir épuré, nous finir faire 20 dans la police, nous allons faire un plan de sécurité sur trois niveaux. Sécurité aérienne, il est le temps pour nous contrôler l'espace aérien. Un pays qui a un espace aérien, côté chaque avion, hélicoptère qui a passé dans l'espace, il doit avoir une autorisation. Depuis longtemps, ça fait trop longtemps, je dis nous apprenons une histoire sur Makout, j'en dis là, sur Duvalier, je dis nous avons gagné un minimum. Je dis à nous pas un plan de sécurité aérien, espace et aérien nous a violé chaque jour. N'importe avion, n'importe hélicoptère, n'importe drone, yo utilisé espace nous. Yon plan de sécurité maritime. Nous devons une police maritime ou bien une force de sécurité maritime qui pour prendre contrôle la mer. Chaque pays doit avoir contrôle de l'espace maritime jusqu'à 2000 marins. Dans le droit de la mer, en pile de nous comptons ça. Eh bien, en Haïti, dans les dernières années, il y a un pile de trafic qui fait sous la mer. Gang, en plus l'autre monde utilise la mer à tout, c'est pas gang seulement et armé, mais bon trafic qui fait sous la mer, côté gen moun qui prend espace ça, qui porte marchandises sans aucun contrôle, l'État pas un contrôle sur yo, pas aucune taxe qui paye, rien. Ça veut dire des gens qui ont fait dans la mer, nous besoin force de sécurité qui prend contrôle de la mer. La police maritime gagne, elle existe seulement de nous, parce que yon pas de matériel, nous pas la responsable là. Hein? Li pa gen matériel, la police qui maritime qui nan okay, kon fè 6 mois li pa nan la mer parce que yo pa gen moyen pour ça. Ça veut dire la police maritime est important. Nous besoin yon sécurité terrestre. Ça li même c'est yon nan gwo moso yo. Nan sécurité terrestre la, faut gen sa relé yon plan de sécurité pour frontière kotyo. Depuis yon pays kotou frontière ou douane yo. Yo pas contrôlé ou déjà dans insécurité. Mais maintenant là nous parlons gros cause que la presse m'a invité nous parler. Qui s'est causé police routière, contrôle routier. Si on voulait faire un plan de sécurité terrestre pour l'efficace, faut yo prend ça relé la police routière. N'a pas gardé sac sous moi là, c'est uniforme
de CPR. Police routière, ça doit être la circulation. Il existe deux noms en Haïti. Parce que nous ne pouvons pas faire police routière. Moment arrivé pour que nous avons une police qui a contrôlé la route 24 sur 24. Les journalistes, les citoyens dans la rue, quel que soit l'heure dans la rue, ils ont une police si ils ont un problème, ils ont une police qui l'a pour eux. La police routière, elle doit dans la rue 24 sur 24. Pour nous contrôler routier. Non pays qui pas un contrôle routier, non pays qui pas un contrôle véhicule, non pays qui pas un contrôle identité, nous déjà dans l'insécurité. Voilà. En quelque sorte, parce que plan de sécurité, nous-mêmes nous avons un document. Il a donné un système de communication et de renseignement. Ça veut dire, je dis à SPNH, fait de lui-même. Je dis à un monde, un groupe d'individus ou bien de personnes, de citoyens qui prend cause de sécurité au sérieux pour que nous proposer nation un plan qui pour permettre nous mettre pays à sur et sécurité. Nous dit li n'a répété cause de sécurité en Haïti puis ga nous penser puis gros mot soa c'est ça n'a gardé à ça nous wea bras qui caché moun qui a investi moun qui lui-même qui a alimenté insécurité a grand avers grand à uniforme etc. Yo doué moment arrivé pour que yo identifier yo parce que si ça fait nous-mêmes dans l'institution la police là n'a demandé pour que yo épurer la police nous tout monde qui de connivence avec gang tout monde qui participer dans affaibli sécurité là dans mal pays là ni moment arrivé pour que nous résoudre problème ça une fois pour toutes et pour nous avancer c'est seul moyen pour que Haïti gagne sécurité. C'était un plaisir pour m'être ensemble avec vous et rester connecté avec Chanel Pola pour une autre vidéo. Bye bye.